décroche, gros paquet de joie, si hein? C'est fini. Bonsoir. 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 Alors, bienvenue à ce gala hors d'onde du gala des Oliviers, sauf qui est en onde. Ouais. Nous allons vous présenter en rafale les gagnants des catégories qui, supposément, ne sont pas assez pertinentes pour être en onde, selon le comité, mais selon nous, assez pour être en onde, mais dans un gala hors d'onde. On n'est quand même pas con. Non. Ouais. Pas du monde niaiseux. Non. Ah oui, puis en passant aussi le trophée, on voulait remplacer l'Olivier, mais on n'avait pas trop de budget, fait qu'on a fouillé un peu dans notre sol, moi puis Denis, puis on a trouvé ça, là. Oui, on était bien contents. Tout de suite, on a fait Chris, le barrette. Ben ouais. On leur place toute la capine, orange et noir. Oui, faites tout en laine, les jambes en tire-bouchon. Oui, mais hein? Le bonus, c'est quand tu payes, ils font ça. 25 ans. Minimum. Non. Fait que tout le monde le veut. Okay. Ouais. Alors, sans plus tarder, première catégorie, Denis? Oui, première catégorie de notre gala hors d'onde, ouais. Meilleure entrée sur scène de l'année en humour, le gagnant, Martin Petit, pour... Salut, Tadoussac! C'est beau. Ouais. Non, c'est nous autres qui applaudissons, c'est notre gala. Fait que... Ouais. Moi, j'aimais mieux Louis-José avec Bonsoir Dolbeau. Ouais, moi aussi, en tout cas. Ouais. Ah, bon, deuxième gagnant dans la catégorie joke la moins bien structurée de l'année. Gagnant, Claudine Mercier pour « Il s'est coupé le doigt, vous devinerez jamais ce qui est arrivé, c'est une fois un gars qui tranchait du cocon. » Bravo! 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 Bravo. OK, on enchaîne avec une autre catégorie, mais une belle. Le gagnant dans la catégorie « Le plus bel univers humoristique dans l'histoire de l'humour. Mmh. » C'est quelque chose. Ah, ouais. On a un ex-écho, Yvon Deschamps et Michel Baudry. Oh. Bravo! Bravo! Deschamps? Ben oui, Deschamps, tu peux me dire. Non, mais sérieusement, Baudry, c'est clair. Là, au Québec, c'est notre petit Woody Allen. Bon, étant donné que c'est un gala hors d'onde, nous allons maintenant faire une pause pas tellement publicitaire. Okay. Ça va bien à date, le gala? Oui, ça, ouais, va, ça bien. Va bien, mais moi, si je pouvais faire clic puis être n'importe où sur la Terre en ce moment, je serais pas ici, c'est vous où je serais? Non, non, je sais pas. Entre tes cuisses. Blotti, bien blotti. Ah ouais? Moi, si t'étais là, tu sais ce que je ferais? Non. Je serais pour jamais que tu partes. Wow! De retour au galop! Ouais, bon, ouais, bon, ouais. Yeah! Yes, sir! Ah ben! Ouais. Ah, la catégorie, Denis. Oui, oui, c'est moi maintenant. On enchaîne tout de suite avec la catégorie meilleure fille de l'année en humour. Oh, oh, son nerveuse. Oh, n'a pas. C'est pas drôle, une fille. Ah. C'est longtemps qu'on le dit. Ah, hey, Denis, je pense à ça. Il y en a une fille qui est drôle, Branque. Qui ça? Pierre Légaré. Ah, elle est pas pire. Elle est pas pire. Elle est pas pire. OK, avant-dernière catégorie, meilleur joke politique de l'année. Le gagnant, ah, c'est moi, Jean-Thomas Jobin. Oh, bien. Ah, hein? Bon, mais fais-la. Ben ouais. OK. Les libéraux, ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est pas mêlant. On dirait que ça fait un petit peu plus que 2 ans. C'est ça, ça rit. C'est pas drôle, ça, Chris. Il est pas drôle, c'est un gars-là. C'est quoi ce style d'humour-là? Ceci est un restaurant. Je suis quand même assez beau, fraîchier. Tu m'énerves. J'ai tellement le goût d'attendre tes cuisses. J'ai tellement le goût que tu passes ta vie, là. Ben voyons, là. Décrocher l'affaire des cuisses, il n'y a personne pas de niveau, là-bas. En tout cas, De toute façon, on est rendu à l'hommage de la soirée, puisque la gala hors d'onde est fière de rendre hommage au plus grand lecteur de nomination de l'histoire des galas hors d'onde. Et puis, je n'ai pas besoin de le présenter, vous l'avez deviné, c'est un gobelin dans Star Wars! Wouhou! Ouais! Aïe! Wow! Yeah! Wow! Il est tout bien! Ben oui! Ouais, wow! Allez. Attends, un bisou! Oh, ouais. Vas-y, c'est à toi, c'est à toi. Wow. Allô? Bonjour, allô? Alors, bonjour, ça va le gala, à date? Ça va, le gala? OK, en nomination pour l'album humoristique de l'année, Les Grandes Gueules Live, Mario Tessier et José Godet. L'album du peuple, tome 6, François Pérusse. Ensuite, Les Justiciers Masqués,
Sébastien Trudel et Marc-Antoine Trudel. Réal Bella présente Monsieur Latreille par Réal Bella. Hein? Puis, en terminant, Pitié pour les femmes de Jamil. Puis le gagnant, ben le gagnant, je vous le laisse. Moi, je touche pas à ça. Ouais, ben beau, vous êtes tellement bon. Non, mais en pas trop, là, le gobelin. Non, donne ça, là. Et le gagnant, dans la catégorie de meilleur album d'humour de l'année, François Pérus! Bravo, j'ai... Merci. Bon rétablissement, je sais plus quoi dire. C'est excellent, vraiment, le spectacle aussi, bravo. Je voudrais remercier les gens qui ont acheté le disque. Ils ont tout acheté ça avec leur argent, et puis... je suis très heureux de bénéficier de tout ça, et puis de continuer à en faire par le fait même. Et puis, merci donc aux auditeurs et aux disco-spectateurs. Je voudrais remercier Fabien Cochon et Célestine Lapérière. Je voudrais remercier Zéro Musique, Pierre Dumont. Je ne l'ai pas nommé au complet tantôt, mon gérant, Pierre Dumont. C'est un peu gênant parce qu'on projette de se marier et je ne voulais pas dire son nom tout de suite au complet. Mais Pierre est lié beaucoup aussi dans la fabrication des albums, pochettes et tout ça. Je suis très, très, très nerveux. Alors, j'aimerais qu'on entame ensemble, s'il vous plaît, la chanson de l'esprit de l'humour, que vous connaissez bien sûr, chanson à répondre. Que c'est qu'on fait quand on va mal dans le monde? On fait des blagues! Vous la connaissez pas. OK. Merci beaucoup encore. OK, décroche, gros paquet de joie, hein? C'est fini. Bonsoir. 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 Alors, bienvenue à ce gala hors d'onde du gala des Oliviers, sauf qui est en onde. Ouais. Nous allons vous présenter en rafale les gagnants des catégories qui, supposément, ne sont pas assez pertinentes pour être en onde, selon le comité, mais selon nous, assez pour être en onde, mais dans un gala hors d'onde. On n'est quand même pas corps. Non. Ouais. Pas du monde niaiseux. Non. Ah oui, puis en passant aussi le trophée, on voulait remplacer l'Olivier, mais on n'avait pas trop de budget, fait que on a fouillé un peu dans notre sol, moi puis Denis, puis on a trouvé ça, là. Oui, on était bien contents. Tout de suite, on a fait Chris le barrette. Ben ouais. On leur place tout, la capine, orange et noir. Oui, fait tout en laine, les jambes en tire-bouchon. Oui, mais hein? Le bonus, c'est quand tu pèses, il fait ça. 25 ans. Minimum. Fait que tout le monde le veut. Okay. Ouais. Alors, sans plus tarder, première catégorie, Denis? Oui, première catégorie de notre gala hors d'onde, ouais. Meilleure entrée sur scène de l'année en humour, le gagnant, Martin Petit, pour... Salut, Tadoussac! C'est beau. Ouais. Non, c'est nous autres qui applaudissons, c'est notre gala. Fait que... Ouais. Moi, j'aimais mieux Louis-José avec Bonsoir Dolbeau. Ouais, moi aussi, en tout cas. Bon, deuxième gagnant dans la catégorie joke la moins bien structurée de l'année. Gagnant, Claudine Mercier pour Il s'est coupé le doigt, vous devinerez jamais ce qui est arrivé. C'est une fois un gars qui tranchait du cocon. Bravo. 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 OK. On enchaîne avec une autre catégorie, mais une belle. Le gagnant dans la catégorie le plus bel univers humoristique dans l'histoire de l'humour. Mmh. C'est quelque chose. Ah, ouais. On a un ex-écho, Yvon Deschamps et Michel Baudry. Oh! Bravo! Bravo! Deschamps? Ben oui, Deschamps, tu m'aimes, tu sais. Non, mais sérieusement, Baudry, c'est clair. Là, au Québec, c'est notre petit Woody Allen. Ah, c'est... Bon.
Ben. Bon, étant donné que c'est un gala hors d'onde, nous allons maintenant faire une pause pas tellement publicitaire. Ok. Ça va bien, Adam, le gala? Oui, ça ouais, va ça bien. Va bien, mais. Moi, si je pouvais faire clic puis être n'importe où sur la Terre en ce moment, je serais pas ici. C'est vous où je serais? Non, je sais pas. Entre tes cuisses. Blotti, bien blotti. Ah ouais? Moi, si t'étais là, tu sais ce que je ferais? Non. Je serais pour jamais que tu partes. Wow! De retour au galop! Ouais, 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 ouais. Yeah! Yes, sir! Ah oh, ben! Ouais. Ah, la catégorie, Denis. Oui, oui, ah, c'était ouais. Moi. Ouais! OK, décroche, gros paquet de joie, hein? C'est fini. Bonsoir. 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 Alors, bienvenue à ce gala hors d'onde du gala des Oliviers, sauf qui est en onde. Ouais. Nous allons vous présenter en rafale les gagnants des catégories qui, supposément, ne sont pas assez pertinentes pour être en onde selon le comité. Mais selon nous, assez pour être en onde, mais dans un gala hors d'onde. On n'est quand même pas corps. Non. Ouais. Pas du monde niaiseux. Non. Ah oui, puis en passant aussi le trophée, on voulait remplacer l'Olivier, mais on n'avait pas trop de budget, fait que on a fouillé un peu dans notre sol, moi puis Denis, puis on a trouvé ça, là. Oui, on était bien contents. Tout de suite, on a fait Chris, le barrette. Ben ouais. On leur place tout, la capine, orange et noir. Ouais, fait tout en laine, les jambes en tire-bouchon. Ouais, hein? Mais le bonus, c'est quand tu payes, ils font ça. 25 ans. Minimum. Non. Fait que tout le monde le veut. Okay. Ouais. Alors, sans plus tarder, première catégorie, Denis? Oui, première catégorie de notre gala hors d'onde, ouais. Meilleure entrée sur scène de l'année en humour, le gagnant, Martin Petit, pour... Salut, Tadoussac! C'est beau. Ouais. Alors, c'est nous autres qui applaudissons, c'est notre gala. Fait que... ouais. Moi, j'aimais mieux Louis-José avec Bonsoir Dolbeau. Ouais, moi aussi, en tout cas. Bon, deuxième gagnant dans la catégorie joke la moins bien structurée de l'année. Gagnant, Claudine Mercier pour Il s'est coupé le doigt. Vous devinerez jamais ce qui est arrivé. C'est une fois un gars qui tranchait du cocon. Bravo. 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 OK. On enchaîne avec une autre catégorie, mais une belle. Le gagnant dans la catégorie le plus bel univers humoristique dans l'histoire de l'humour. Mmh. C'est quelque chose. Ah, oui. On a un ex-écho, Yvon Deschamps et Michel Baudry. Oh! Bravo! Bravo! Deschamps? Ben oui, Deschamps, tu m'aimes, tu sais. Non, mais, non, mais sérieusement, Baudry, c'est clair. Là, au Québec, c'est notre petit Woody Allen. Bon, étant donné que c'est un gala hors d'onde, nous allons maintenant faire une pause pas tellement publicitaire. Okay. Ça va bien, Adam, le gala? Oui, ça, ouais, va, ça bien. Va bien, mais moi, si je pouvais faire clic puis être n'importe où sur la Terre en ce moment, je serais pas ici. C'est vous où je serais? Non, je sais pas. Entre tes cuisses. Blotti, bien blotti. Ah ouais? Moi, si t'étais là, tu sais ce que je ferais? Non. Je serais pour jamais que tu partes. Wow. De retour au galop! Ouais, 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 ouais. Yeah! Yes, sir! Ah ben! Ouais. Ah, la catégorie, Denis! Oui, oui, ah, c'était ouais. Moi maintenant. On enchaîne de suite avec la catégorie meilleure fille de l'année en...